Bienvenue à tous et à toutes à ce deuxième numéro du journal Édition 62. Un kidnapping raté s'est soldé par la mort d'un des bandits à Delma 31 ce mardi aux environs d'1h30. Selon les informations recueillies auprès de la police, trois bandits ont tenté de kidnapper un père de famille venu chercher son enfant au lycée français. Alerté, la police a pris en chasse les bandits et a pu empêcher cette tentative d'enlèvement. Arrivé à Delma 33, aux abords du parc Midoré, et constatant l'échec de leur action, les bandits ont affronté la police lors des échanges de tirs. L'un des bandits a été mortellement touché, les deux autres ont eu le temps de prendre la fuite. Le véhicule des victimes, une Ford tout-terrain de couleur grise, immatriculée AA-54-917, a été atteint de deux projectiles. Les impacts de balles sont visibles sur la carrosserie. Le bandit tué lors des échanges de tirs est visiblement un jeune homme âgé entre 20 et 30 ans. C'est mort, 20 maisons inondées et 3000 familles sinistrées. Tel est le bilan des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays le week-end écoulé. Selon la direction de la protection civile, ces averses avaient provoqué d'importants dégâts matériels. Nip, Sud-Est et Sud sont les départements les plus touchés par les dernières pluies. La directrice de la DPC, Alta Jean-Baptiste, appelle la population à la vigilance et au respect des consignes traditionnelles lors des intempéries. Haïti est encore sous la menace de nouvelles pluies. Un creux d'altitude est installé sur la partie centrale de la Caraïbe. Cette situation pourrait provoquer des averses sur toute la région, a informé le Centre national de météorologie. Le responsable du CNM, Ronald Semelfort, invite la population à laisser de manière temporaire les zones à risque. Dans l'intervalle, le météorologue annonce une période cyclonique très active pour la région cette année. Faut que nous, tant que ministre Lanso Dili, et nous avons continué, et d'autant plus nous allons commencer à marcher avec l'orage tout. C'est ça que fait même pour journée aujourd'hui. Toujours encore, il y a des conditions d'humidité qui sont installées sous la partie centrale Caraïbes. La condition d'humidité, ça a été renforcé un peu avec le système, bon, dans le langage météo, qui est le creux d'altitude, pour nous pas continuer à enregistrer tête chargée encore. Nous connaissons très bien notion de risque là. Eh bien, c'est par définition, c'est résultat qu'on va joindre, l'on mettait en face les composantes de menace et de vulnérabilité. Et m'a rappelé nous tout pour saison cyclonique ça qui a venu jusqu'à présent, modèle yo dit, nous va gagner une saison qui a plus ou moins active. Mais que saison annoncée plus ou moins active, que l'annonce est très active, que l'annonce est peu active, eh bien, faut nous toujours gagner même vigilance là, et même, et faut nous toujours montrer nous très responsables, eh bien, pour éviter et dégâts. Ça fait ça, pour nous-mêmes, Haïti particulièrement, si nous considérons depuis 1935, à nos jours, eh bien, majorité pigour et temps extrême, en parlant de fortes pluies et puis cyclones qui frappent nous, c'est surtout dans des saisons qui pas tellement actives passé ça. Donc, il faut que nous toujours montrions très véatifs, très vigilants, parce que, tant pour le ministre, se dire, la pluie, la continue toujours hein, dans les prochains jours et prochains mois, et puis pour saison cyclonique là tout. Une enveloppe de 52 millions de gourdes sera débloquée en vue de subvenir aux besoins des sinistrés des dernières intempéries. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Plusieurs interventions sont en cours en vue de rétablir la situation dans les zones inondées le week-end écoulé. Le titulaire du MICT invite la population à faire montre de vigilance afin d'éviter le pire pendant la saison des pluies. Suivons les propos du ministre de l'Intérieur, Annick François-Joseph. Dynamique de cash management. Sorgen en moulin, jodian, c'est lié ou dépensé demain. Nous songeons, nous disons là, nous ne sommes pas capables de faire gros dévirer, nous ne sommes pas capables de gagner pied nous, parce que pas gain l'argent. Cependant, nous misons, nous connaissons déjà que gagner. Et des entités de la communauté internationale qui dit que papa est un good, nous dit, n'a pas continué à vivre.
yo pa bay on goud, n'ap continue vivre, n'ap continue exister, et pour nous continuer exister, nous bay tête nous au niveau de ce gouvernement, nous bay tête nous yon discipline, n'ap fait cash management qu'on y a là. Ça nous recevoir de DGI, de la douane comme recette, c'est l'île qu'a dépensé. Nous pas capable dépenser, ça ne pas gagner. Nous pas capable prêter pour nous dépenser tant que j'ai été fait avec fonds Petro-Caribéa. Eh bien, puisque nous dans dynamique de cash management là, nous fait une planification pour nous dépenser 52 millions de goudes à l'égard des victimes, nous obligés tant 52 millions entrés pour nous dépenser. Je dis un lien important pour que les citoyens continuent à suivre le conseil que nous avons. La rivière en cru, pas entrer là-dedans pour essayer de traverser. Ou bien droit qu'on nager. Ou bien droit qu'on habitué à traverser la rivière. Mais pendant l'en cru, pas prendre chance. Qui ça, ça coûte si ou t'as obligé de passer nuit tout en l'autre côté qui pas la caillou. Mais ou envie demain matin. Pour nous-mêmes, au niveau du gouvernement, c'est ça qui intéresse. Nous sommes dit déjà, chaque Haïtien qui mourit, c'est une de trop. Donc, nous pas besoin Haïtien mourir encore. Nous t'aimons que chaque monde était en vie. Parce que productivité, nous, pratiquement, pral dépend de, du fait que nous en vie et nous en santé. Parce que cadavre n'est pas capable de produire rien pour le pays. Nous pas besoin de mourir pour ça. Nous besoin de monde vivant. Pour moun yo kap rete vivant, fok yo suiv conseil. Pour l'instant, gouvernement genye yon projet pour débloquer environ 52 millions de goudes, un peu plus que 52 millions de goudes pour subvenir à besoin moun ki frappé par les intempéries du week-end. Maintenant, est-ce que ça pral rive que chaque week-end gen frappe et puis gouvernement pral débloquer kop gon sa? Nous croyons li réellement difficile, particulièrement dans la condition que nous vivons journée jeudi. Côté, l'un ou héritier de gestion nation, nous joignons déjà un déficit pour le premier semestre de l'année budgétaire. Nous joignons un déficit de l'ordre de 11,6 milliards de goudes. Côté, gagner certaines et certains ministères qui joignent que budget qui était crédit budgétaire qui était gagné, est épuisé. Juste que nan hauteur de 85%. Ça veut dire dans premier semestre année à seulement gagner 85% crédit budgétaire certains ministères qui gagnent en épuisé. Gain de l'autre qui gagne plus chance pas gagner autant que ça qui allait là-dedans. Grève dans les hôpitaux publics du pays. Le président de la Commission permanente santé publique et population du Sénat, le docteur Karl Murat-Cantave, rejette toute implication dans le mouvement, contrairement aux dénonciations faites dans la presse par le responsable du syndicat à l'hôpital général. Ce prétendu syndicaliste a été manipulé par un secteur politique, a dénoncé le parlementaire. En tant que président de la Commission santé, gagner au problème au niveau des hôpitaux publics du pays, tout l'hôpital fermé, que ce soit à Port-au-Prince, que ce soit au Caï, au Gonaïve, à Port-de-Paix, à Jacmel, au Cap-Haïtien et partout, en tant que responsable, président de la commission santé, c'est de voir mal auprès de résidents, yo, mal enquérir de situation pour que je connaisse qui solution pour me porter à partir de requêtes, à partir de demandes. C'est un bagage qui est normal que Malchita avec Mbarelisa Chita à côté. Mbarelisa, c'est un monde qui est responsable, qui a enquérir le problème qui gagne pour que l'homme va faire assise avec le ministre là, pour qu'on ait une requête qui s'est pour que je pose avec le ministre là, pour me faire une solution. Malheureusement, le ministre n'a pas répondu, mais demain, il y a le premier ministre Enex qui est invité à se faire accompagner de ces ministres que je viens de citer, et pour qu'on puisse s'asseoir et trouver la solution qu'il faut. Et m'a dit que demande résident yo, demande personnel yo, santé en général, les justes, parce que les conditions de travail yo pas réunies au niveau des hôpitaux. Jodi a ou rentrer dans l'hôpital, faut qu'on gagne en pile l'argent pour joindre soin. C'est l'hôpital public que yé, pas de matériel, pas d'équipement, pas de médicaments. On ne peut pas accepter ça non plus. En tant que président de la commission santé, moi pense que l'important pour que l'État haïtien bouge,
pour que le ministère la bouge, pour que le cabaye chaque monde, quelle que soit la position liée, quelle que soit la catégorie la patinure, pour le bal soin correctement, pour le bal des prestations de soins de qualité, parce que nous, bouquet, Alcelomène, a des soins. Population bouquet, allez au niveau de États-Unis, a des soins. Population bouquet, à Cuba, a des soins. Faut l'État prendre responsabilité pour qu'elle crée les conditions, pour que tout le monde ait un soin au niveau de l'hôpital. Et m'a dit que le fait que je me parle comme ça, je ne veux pas dire que les résidents ont raison ou le ministère a tort. C'est pas ça que je veux dire. Même je veux dire nos pays, quand il y a des gens qui la donnent. Je ne peux pas traiter comme des animaux. Faut que je dis à si malade, m'entraîne l'hôpital, forme confortable, pour qu'on ait ma besoin des soins de qualité. Et je pense que l'article 33 de la Constitution dit que faut que nous jouions des soins de qualité. Et l'État engagé pour ça, son contraire, non pas à l'État, pour l'État prendre soin, non. Et bien, il faut le ministère de la Santé publique et de la population dégager pour bien cependant que je demande que les résidents pour yo raisonnable, pour que yo chita négocier, pour que yo jouions au juste milieu. Avec les autorités sanitaires pour que le grève la cale levée le plus vite que possible à la satisfaction de la collectivité haïtienne, à la satisfaction de la majorité, n'est-ce pas, des Haïtiens qui, c'est en dedans Haïti au cas soin, au cas prendre soin à l'étranger. La commission permanente éthique et anticorruption du Sénat a auditionné ce mardi 10 mai 2016 l'ancien ministre de la planification sous le gouvernement d'Evans Paul, Yves-Germain-Joseph, dans le cadre de l'enquête parlementaire autour de la gestion des fonds Petro-Caribé. Dans son intervention, l'ancien ministre a révélé, par exemple, que l'État haïtien a débloqué 21 millions de dollars américains sur 22 pour le compte de la firme de construction dominicaine GTC pour la construction de 18 km de route Fermat-Soissons-Frères. La firme qui n'a réalisé que 8 km a pu quand bien même obtenir 21 millions de dollars américains, a expliqué l'ancien ministre Yves-Germain-Joseph. Dans le cadre de une enquête approfondie qui a mené sur la gestion des fonds Petro-Caribé, il y a tendé déjà plusieurs ministres, il y a tendé premier ministre, il y a tendé ministre des Finances. Je dis en tant que ministre de la Planification de janvier 2015 à peut-être mars, premier jour d'avril 2016, j'étais intéressé pour détendre sur ma gestion des fonds de Petro-Caribé en particulier. Donc nous tout fait le point non seulement sur les fonds de Petro-Caribé, mais aussi en fait sur les fonds de Petro-Caribé durant la période de ma gestion, mais nous réviser ensemble un ensemble de projets en exécution que me joigne qui tape exécuté, qui pour qu'au fin exécuté et ou qui pas cap exécuté. Donc, me répondre à toutes ces questions-là. Et dans l'ensemble de projets, ça a été fait état de deux projets de route que même film dans GTC signé, il y en a pour 22 millions, il y en a pour 45 millions, et sont même 300. Oui. Et on a pas notre explication sur ça. Oui, projet ça, c'est un projet que je venais dans le ministère de planification, on dit ça plusieurs fois déjà. L'État haïtien signe un projet de 22 millions de dollars avec une firme qui est le GTC, pas contre propriétaire exactement, mais c'est ingénieur Coles en général qui est le correspondant de cette firme. Lors de la ministère de planification, ça veut dire que je travaille. Et route ça a porté sur une longueur de 18 km à peu près, elle coûtait 22 millions de dollars. L'État haïtien a décaissé 21 millions de dollars déjà. Pour Afimla, hein? Et il y était 1 million de dollars pour le payer. Jusqu'à présent, il y a moins que 8 km sur 22 km, là, sur 18 km là qui fait. Donc, ça nous passe ça en revue tout. Quel que soit le motif qui t'a fait que la route n'a pas fini, moi, questionner surtout le fait que l'État haïtien est capable de décaisser successivement différents montants jusqu'à totaliser 21 millions de dollars pour une route de 18 km à peu près, alors que l'État, c'est au fur et à mesure de l'avancement des travaux qu'il fait pour décaisser,
Et il se trouve que l'État a décaissé 21 millions de dollars et gagne moins que 8 km de route qui fait. Donc ça, c'est qui route projet, c'est ça, c'est dans qui zone? Et c'est Fermat, Soissons, Académie militaire. Qui paye ce qui gouvernement? Et jusqu'à 2014, hein, jusqu'à 2014. La commission intersyndicale sur la protection et la sécurité sociale a organisé ce mardi une journée d'échange autour de la convention 102 sur les normes de sécurité sociale dont l'OIT est le dépositaire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une campagne visant à sensibiliser le Parlement sur la ratification de la dite convention. Selon le président du CIPSS, Yvel Admettre, cet instrument serait bénéfique pour le pays et pourrait en particulier favoriser l'amélioration des conditions de travail des travailleurs. Suivons Yvel Admettre. Nous croyons que jeudi, la protection sociale c'est un élément important dans le développement de toute société. Et c'est ça que fait, nous-mêmes nous estimons dans la situation du pays d'Haïti là, faut que nous mettions sous pied. Il y a une bataille pour une force de l'État haïtien ratifier la Convention 102. La Convention 102, c'est la base pour changer les conditions de la vie dans le pays. Et c'est ça que fait le syndicat, il croit que la bataille n'a pas qu'à faire pour contre. La Convention 102, il y a toute qualité risque qu'il a dans il couvre tout risque qu'il gagne. Ça veut dire que si l'État haïtien ratifie la Convention 102, le pays a bénéficié des possibilités, a payé à bénéficier de la vie meilleure. Et c'est ça que fait le secteur syndical là, lance un appel à toute entité dans la société, parti politique, yo, parlement, et nous lançons la société civile, yo, organisation de droit, yo. Nous lançons appel ça, c'est pour que tout le monde rejoigne nous, association média, yo. C'est pour que tout le monde pote coller ensemble avec le syndicat, yo, pour que ratification convention 102 devienne une réalité. Parce que je dis, dans la crise sociale pays a, nous croyons que la protection sociale avec un bon système, une bonne couverture sécurité sociale a aidé masse peuple qui est dans une situation de misère. Un pays qui a qualité misère, ça n'a pas qu'à faire progrès si nous ne prenons pas éléments dans la protection sociale, si nous ne mettons pas protection sociale là comme un outil. C'est le Brésil fait, c'est le l'Allemagne fait, c'est le pays de l'Europe qui fait. Mais pour que ça nous même tout dans le pays d'Haïti, nous pas qu'à servir avec protection sociale là comme base pour nous lancer le développement pays. Et c'est dans ce sens ça, syndicats sont réunis, nous lançons appel ça, nous lançons un plaidoyer pour ratification de la Convention 102. Et nous croyons que nous pourrons porter message à travers tout le pays dans le sport télévisé, dans le sport radiophonique, pour que tout pays ait une couverture sous mobilisation pour ratifier la Convention 102. Le directeur général de l'OFATMA, Max Odolphe Saint-Albin, salue cette initiative et promet de lutter aux côtés de la commission intersyndicale pour la ratification de la Convention 102. Conformément à sa mission, l'OFATMA s'intéresse aux démarches visant le renforcement de la protection et la sécurité sociale dans le pays, affirme-t-il. Le patron de l'OFATMA annonce de nouveaux plans de sécurité sociale en santé envisagés par l'organisme. Protection sociale, c'est droit à chaque monde. Et ça, c'est une évidence pour nous parce que ça est rentré exactement en ligne de mire avec mission et OFATMA. C'est exactement ça que mission OFATMA est. Donc nous, en adéquation avec mission, ça, avec slogan, ça, c'est vrai, son devoir. Nous-mêmes, nous là, comme citoyens, comme docteur, comme directeur au FATMA, comme membre de l'État, on dit que nous, son devoir, son réel devoir, et nous-mêmes comme responsables, nous là pour nous appuyer et dynamique, ça a dégagé. Nous sommes participés dans la Noël, que le débat est animé, nous voyons que grand pile effervescence, grand pile chaleur autour de questions. Nous pensons que bon bel momentum là aujourd'hui hein, pour le pays. Hein, parce que nous-mêmes au FATMA, et je nous connais là, nos mêmes missions nous c'est porter, contribuer à la sécurité sociale là, de façon générale, mais plus un petit peu en santé. Là. Et donc, n'a pas de Pierre, c'est nous dire à nous là pour nous venir appuyer l'initiative là, pour nous porter Pierre par nous à Convention 102. Là. D'accord, nous pensons que son gros acquis de la pied pour le pays d'Haïti, pour le secteur de travail là, de façon générale, pour tout secteur et force vive dans le pays. Là. Et nous-mêmes, et nous là tout comme au FATMA, pour nous rappeler que nous-mêmes au FATMA, nous voulons remplir mission. Nous là pour nous remplir mission, c'est-à-dire qui s'est porté assurance, accident du travail,
maladie et maternité pour plus grand nombre. Donc aujourd'hui, nous connaissons que depuis que Fatma a été créé en 67, l'État fait assurance accident du travail. Et alors que depuis 67, il y a un mandat statutaire légal pour le faire assurance maladie et maternité, mais il est obligé de retendre presque 48 ans plus tard, c'est-à-dire 47 ans exactement, en décembre 2014, pour le faire assurance maladie et maternité. Donc aujourd'hui, le cadeau au Fatma a joué pleinement rôle, pleinement mission, côté l'a fait assurance accident du travail, assurance maladie et maternité. Et c'est dans la dynamique ça que nous avons poussé là pour le renforcement de la sécurité sociale en santé dans le pays d'Haïti. Le regroupement des directeurs d'École nationale de l'Ouest dénonce la gestion et le fonctionnement des écoles nationales de l'Ouest. Il invite le ministre Jean Beauvoir d'Orson à diligenter une enquête en vue de faire toute la lumière sur la dilapidation des fonds alloués aux écoles nationales. Annie Aupierre se montre critique vis-à-vis de certains éditeurs en charge des manuels scolaires utilisés dans les écoles nationales, des manuels scolaires qui ne correspondent guère au programme du ministère. Objectif conférence de presse ce matin, c'est expliquer presse avec la société en général, problème de l'école nationale à confronter. Sous un pile gouvernement qui passait après 1986, il y a une période de monde considéré comme une période de gaz et eau. Pourtant, la situation de l'école nationale pas plus mal passé ça. Depuis 5 dernières années, bagaille gâté net, surtout avec le programme Sigoyo, tout bagaille est plus difficile. Discours décidé politique, département avec réalité qui a développé dans l'école nationale chaque jour. C'est Kenap Kembe. Bagaille pas facile même. En plus, le monde ignore ou bien fait un coup de pas connaître qui traite directeur l'école d'État a passé pour mener bac institution ça. Si nous prenons comme exemple, pour l'année 2011-2012, responsable ministère de l'Éducation nationale a payé 68 gouttes 94 centimes pour chaque timoun pendant deux fois. Pour l'année 2013-2014, il a payé 171 gouttes pour chaque timoun pendant trois fois. Comme ça, c'est lui qui doit faire toute bagarre dans l'école. Yo. Par exemple, fournitif pour bureau, fournitif scolaire. Matériel scolaire, matériel pour nettoyage, réparation, cantine scolaire et latrier. Il y a aussi qu'il est en date 9 août 2013 qui dit l'école gratis. L'État baille tout bagaille. Il n'y a pas de payer un goût de l'esco. Pour nous, dans Redieno, nous disons une vaste comédie. Pour l'année 2014-2015, ancien ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, a distribué 28 000 bancs, 800 000 kits scolaires, uniformes pour plus passer 60 millions de gouttes, 100 millions de gouttes pour remplacement ou achat mobilier. 1 million de manières scolaires comme dotation, 800 000 places pour passer 1 milliard de gouttes. Jusqu'à ce que l'école soit fermée, il n'y a pas de bail en 1, il dit à l'oral. Pour l'année 2015-2016, le ministre de la bail 50 000 uniformes. Pour 50 000 uniformes, 971 949 livres comme dotation, 400 000 kits scolaires, et puis l'État a couvert tout frais. Tout le bagage sera fait à l'oral. Comme ça, je n'ai pas arrivé à temps, ni livre tout, c'est la date 21 mars passé, il y a eu quelques manières scolaires. Nous demandons aux responsables du ministère de l'Éducation nationale de suspendre gaspiller l'argent pays, de bailler éditeur l'argent pour un paquet de livres qui ne va jamais servir dans le système éducatif haïtien parce qu'il ne faut mieux pas répondre à la méthodologie qui est disponible pour passation couillot. Qui donc, depuis le président Préval, depuis le président Matéli, c'est pile sous pile, nous semblons livrer dans la direction de l'école parce qu'il n'y a pas été élevé en un. Depuis après le tremblement de terre en 2010, jusqu'à présent, nous avons une bonne école nationale qui a fonctionné dans un gars. Et il y a un environnement pas bon du tout. Depuis le fait l'appli, en plus, il n'y a pas qu'à fonctionner. Par exemple, nous avons l'école nationale Calistène Fouchard, Esther Bourbouin Honora, Colbert Lochard, République du Panama, Horace Etea, République du Venezuela, Tertilien Guilbeau, Lycée Alexandre Pétion, Sœur Teresa de Calcutta, République Colombie, République Libéria. Pour République Libéria, depuis après le tremblement de terre, l'école ça fonctionne dans deux espaces. Nous demandons au nouveau ministre de l'Éducation nationale, là, M. Jean Beauvoir d'Orson, pour les brancher pressé sur le dossier éditeur qui vient pour signer un contrat pour manuel scolaire pour l'année scolaire 2016-2017. Il faut que les brancher tout à la reconstruction de l'école nationale yo, et puis réparation ça yo, qui est en mauvais état. Nous demandons tout, il faut que le responsable du ministère de l'Éducation nationale suspende si mettre directeur de l'école nationale yo, en face par an yo, dans le bail, une série d'informations qui ne passent pas sur la réalité qui a développé en dans l'école. Yo. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous et à vous toutes qui l'avez suivi.